Vous avez récemment adopté un chiot et vous vous demandez comment lui apprendre à devenir un chien bien socialisé? Ou peut-être que votre chien adulte a du mal à interagir avec d'autres chiens et vous voulez lui offrir une meilleure expérience sociale? Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils simples et pratiques pour socialiser votre chien de manière efficace. Nous aborderons les différents types de socialisation, les étapes à suivre pour des rencontres réussies et les erreurs à éviter. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment donner à votre chien les meilleures chances de devenir un compagnon confiant et heureux. Conseil numéro 1. Commencez tôt. Il est important de commencer à socialiser votre chien dès qu'il est adopté, car il est plus facile pour eux d'apprendre de nouvelles choses lorsqu'ils sont jeunes. Il existe deux types de socialisation, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire est celle qui se fait durant les 12 premières semaines de vie du chiot. C'est un processus crucial pour le développement émotionnel et mental de votre chiot. Si votre chien est déjà adulte, il est possible de faire de la socialisation secondaire, qui est un processus similaire mais qui vise à corriger les comportements indésirables. Conseil numéro 2. Faites des rencontres en douceur. Commencez par des rencontres courtes et positives avec d'autres chiens et des personnes. Faites en sorte que ces rencontres soient agréables pour votre chien en le récompensant pour son comportement calme. Il est important de choisir des chiens et des personnes qui ont un comportement calme et amical pour éviter tout stress ou peur chez votre chien. Il est également important de respecter les limites de votre chien. Ne le forcez pas à interagir avec d'autres chiens ou personnes s'il n'en a pas envie. Conseil numéro 3. Utilisez des friandises. Utilisez des friandises pour attirer l'attention de votre chien et pour le récompenser lorsqu'il se comporte de manière appropriée lors de rencontres sociales. Les friandises peuvent également être utilisées pour désamorcer des situations stressantes ou pour inciter votre chien à se concentrer sur vous. Conseil numéro 4. Faites des sorties régulières. Emmenez régulièrement votre chien en promenade dans des endroits fréquentés pour qu'il puisse rencontrer d'autres chiens et des personnes. Les parcs et les magasins pour animaux sont des endroits idéaux pour cela. Cela permettra également à votre chien de s'habituer à différents types de sols, de bruits et d'environnements, ce qui contribuera à renforcer sa confiance en lui. Conseil numéro 5. Éduquez votre chien. L'éducation canine est un excellent moyen de renforcer la relation entre vous et votre chien tout en lui apprenant de nouvelles compétences. Ils peuvent également aider à corriger les comportements indésirables et à renforcer la confiance en soi de votre chien. Si vous ne savez pas par où commencer, regardez notre vidéo, l'éducation canine par où commencer. Conseil numéro 6. Soyez patient. La socialisation de votre chien est un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance de votre part. Il est important de ne pas forcer les interactions sociales et de respecter les limites de votre chien. Si vous remarquez que votre chien est stressé ou mal à l'aise, arrêtez immédiatement et prenez une pause. Conclusion. En suivant ces conseils simples et pratiques, vous pouvez aider votre chien à devenir un compagnon confiant et heureux qui apprécie les interactions sociales. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à consulter un comportementaliste canin qualifié pour obtenir de l'aide. Enfin, rappelez-vous que chaque chien est unique, alors adaptez les conseils à la personnalité et aux besoins de votre chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. C'est le meilleur moyen de nous soutenir gratuitement. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux sur lesquels nous partageons plein de conseils sur nos amis de compagnie. Les liens sont dans la description. À bientôt.